Oui, bonjour, je me présente Thierry. Je suis prêt pour un marathon de 42 km. Hein. Le départ il est à 6 h. On va pas tarder à partir d'encore 6 minutes. J'espère terminer au moins de 4 heures. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! À première vue, on peut être que content du résultat. Gros succès populaire. On a eu, je crois, 195 équipes classées, 170 individuels, donc ça fait plus de 1100 personnes. À l'échelle de la Guyane, c'est une course énorme. Je veux dire, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de manifestations sportives en Guyane qui drainent tant de personnes. Je crois que c'est pas mal. Au niveau des résultats, les chronos sont pas extraordinaires, mais sont dans la norme, ce qu'on récupère chaque année. Et surtout pour tout ce qui est organisation, le point fort c'est qu'on n'a eu aucun pépin physique. Les gens l'oublient toujours, nous ce qu'on redoute le plus c'est les pépins physiques sur le parcours, on n'a eu personne de blessé, donc superbe. Comment vous l'expliquez? Parce qu'aujourd'hui bah, c'est évident le marathon de l'espace, ne serait-ce que sur Kourou, c'est la plus grosse manifestation sportive, où il y a le plus de participants. Comment vous expliquez ce succès? C'est vrai que c'est parti un peu sur un quiproquo, on avait monté l'épreuve vol 42 Ariane, 42 km, donc on avait fait un marathon. Pour rien vous cacher, ça devait rester à une édition unique. Bon, on s'est laissé embarquer un peu dans l'affaire. Je crois que ce qui fait un peu la réussite de l'épreuve, c'est surtout la course en relais. En relais, 8 km pour n'importe quelle personne qui est un peu courageux et muni d'un peu de courage et un peu en condition physique, ça passe relativement très bien. Donc c'est comme ça qu'on arrive à drainer 195 équipes, alors 200 équipes, ça fait 1100 personnes, 1200 personnes. Et ce qui est vraiment fantastique, enfin à notre niveau, c'est qu'on draine sur la course des personnes qu'on ne voit jamais sur les courses à pied. Hein. Faut bien voir que le peloton moyen guyanais sur des épreuves locales, c'est entre 100 et 120 personnes en règle générale. Là, on est 10 fois plus. 7, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti! Deuxième victoire sur le marathon de l'espace, bravo. 2:31:52. C'est à croire que le climat me va bien. Pourtant, il est difficile. Hein. Franchement, c'est de la chaleur. La chaleur, c'est assez éprouvant. Hein. Quand le soleil se met à cogner, là, ça commence à chauffer. Mais en fait, il faut vraiment bien le gérer ce marathon, il faut vraiment partir très prudemment parce que après c'est impitoyable, hein. Une fois qu'on n'est pas bien ici c'est mort, hein. on est cuit. Hein. Donc là voilà j'ai bien géré, du coup bah, ça a été, je vais pas dire facile mais c'est pas le marathon le plus dur que j'ai fait aujourd'hui, hein, je parle. Hein. Donc voilà, tant mieux. La Légion étrangère, Bossard 93, emmenée par Alvaro Suarez, bravo. Deux équipes sur le podium, c'est un travail qui paye. Oui, tout à fait, il a travaillé avec beaucoup de sueur, avec malgré l'émission et autres, ils ont fait un gros travail depuis un mois, on est ensemble, on travaille d'abord tout ce qui est les enchaînements, les gammes et les fractionnés, et puis vers les dernières semaines, on peaufine, et puis on se dit que voilà, la première équipe était alignée, la deuxième ensuite, et c'est un objectif qu'on va essayer de conserver jusqu'à temps que le troisième Nori est implanté à Kourou. Donc on défie sportivement tous les collègues sportifs qui ont envie de faire la même chose. Nous, on va faire jusqu'au bout à tout prix, on va la garder cette place. Avec tous ses enfants, Céline Claudel, en fait, c'était l'objectif, ouais. Effectivement, c'est mon deuxième marathon que je cours. L'année dernière, j'ai fait 4h08. L'objectif, c'était faire moins de 4h, podium, et on y pense tous, mais voilà. Et là, j'ai fini première, enfin c'est...
Et mon objectif est atteint, 3h51 je crois, enfin voilà quoi, c'est super, je suis vraiment heureuse comme tout, vraiment. Vous passez la ligne en compagnie de vos enfants. Voilà, il y avait 4 enfants, oui sur 6, parce qu'il y en avait 2 qui n'étaient pas à moi, mais il y en avait 4. Moi je suis maman de 6 enfants, donc j'avais 2 petites qui étaient encore pas là, mais et voilà, et ils ont participé à l'arrivée, ils ont participé à l'entraînement, mon mari aussi court, malheureusement il va arriver après, mais voilà, c'est super quoi, ça se fait en famille, donc c'est génial, et je suis heureuse de partager ça avec mes enfants. Et à bientôt, les deux sports. À la prochaine.